Bonjour, bonsoir tout le monde. Déjà, bon week-end, la télévision nationale d'Haïti. Nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Plein feu sous Journée mondiale lutte contre SIDA, chaque 1er décembre. Le monde eh bien, permet nous garder qui j'ai en réalité. Moun ka vive ak SIDA, moun tout parrain SIDA, comportement responsable que doit afficher. Et c'est un bon prétexte pour que sensibilisation l'ira poursuivre. Et ça, nous le faire. Jeudi, à l'Académie sur ça, sous télévision l'État. Et c'est avec plaisir à recevoir. Et une responsable dans l'unité coordination prise en charge lutte contre SIDA dans le ministère de la Santé publique et la population. Ils sont spécialistes en santé publique. C'est docteur Alan Samedi qui a accepté de répondre à une question nous matin. Regardez le progrès Haïti fait par rapport à la lutte contre SIDA qui s'est chiffré aujourd'hui et dans quel niveau souhaite arriver dans l'année qui a venu là. Et puis on a tout précisé, Anissa, c'est connaître son statut, c'est thème qui kembe. Alors là, d'où nécessité pour que chaque monde fasse un test de dépistage. Qu'on est nature, qu'on est statue pour capable mieux protéger tête et mieux protéger partenaire. Docteur Samedi, son plaisir pour nous matin sur TNH. Et bonjour, chers Junior, bonjour tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Et merci encore du fait que vous invitez pour nous venir parler en long et en large du VIH-Sida. Donc, tout d'abord, moi, c'est Docteur Samedi Aland. Moi, je travaille dans le ministère de la Santé publique, dans le programme national de lutte contre le sida. Précisément, moi, dans l'unité soins et traitements. Ça, nous relève communément et prise en charge maladie. Alors, il n'y a pas de sida, et ça n'a pas exactement. On ne peut pas parler de sida d'abord, parce que le sida, c'est dernière phase, la dernière partie de la maladie. Donc, on nous parle plutôt de VIH, ce qui est virus immunodéficience humaine. Donc, quand on a là, les gens atteignent le virus là, ils rentrent dans son monde. Donc, nous n'avons pas parlé de sida là. Donc, les gens ensemble des phases, ils font traverser toute phase ça pour mon. Ça, une phase grabataire, les gens pratiquement presque au bord, et on a dit moribond. Donc, c'est là qu'on a parlé de sida. Mais pour l'instant, nous plus à parler de VIH et tant que tel. Parce que, on est capable de remarquer qu'il y a des gens qui VIH positif, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dans le sang. Et puis, il y a des gens normal, même j'ai moi-même avec eux là. C'est ça que fait pour année ça, le ministère de la Santé publique décide ensemble avec le partenaire pour nous traiter la journée mondiale là sous thème ça qui dit qu'on est statut. Parfait. Alors, qui est le monde qui a attrapé? Qui est le monde qui a attrapé VIH là? Qui l'est capable de traverser. Bon, en fait, vous voulez parler de comment vous êtes capable de prendre maladie, prendre infection. Parce que c'est l'elfine infectée qu'on est là dans la dernière phase, là, j'aime ce que là, elle va arriver, elle va arriver dans la phase SIDA. Donc, premièrement, c'est contact sexuel, avec des rapports où le monde qui a fait bagaille avec l'autre monde qui est déjà infecté, mais qui n'est pas protégé. Donc, ça, c'est la première façon que les gens sont capables de prendre. Et en Haïti, c'est lui-même qui est primé parmi l'autre. Deuxième façon que vous pouvez prendre, c'est une maman qui est enceinte, une dame qui est enceinte, et puis par la suite, qui a pour ton bébé. Et puis, bébé a capable d'arriver à infecter. Ça nous relève la transmission, maman à petite mère, enfant. Et puis, il y a une autre troisième façon encore, c'est contact sans accent. Donc, dans le contact sans accent, nous avons plusieurs aspects là-dedans. Par exemple, les gens qui ont utilisé des matériels souillés, ou bien, par exemple, les gens qui ont utilisé gilette ou bien rasoir quelconque pour le faire babli, par exemple, sur un frère, et puis, qui t'a infecté en quelque sorte que vous ne connaissez pas. Bien sûr que vous ne connaissez pas parce que ça n'a pas marqué dans la figure, il n'a pas marqué aucun côté. Donc, et puis, vous avez utilisé gilet ça, ou bien rasoir ça, le fait babli. Si par hasard, vous êtes blessé avant, et puis par la suite, vous même le sortir, vous prenez un rasoir ou blessé tout. Donc, il y a possibilité, ça, son possibilité. Et dans la question de transfusion sanguine, qui est en pile, dans le bail sang, dans le prend sang. Donc, bon, la Croix-Rouge, ensemble avec PNST, Programme national de transfusion sanguine, ils ont lutté en pile pour ne pas arriver à bail moun. Sans qu'il infecte, parce que le travail sur sans pile, mais son élément tout nous gagner dans facteur qui est capable de faire mon arrivée infecté tout le monde qui prend un sang qui est infecté, donc pas de sortir de là, la prend le tout. Donc, j'en dis là, programme national transfusion sanguine, donc ensemble avec la Croix-Rouge, je traite sans avant, je baille mon. Mais dans le niveau de santé publique,
plus façon pour nous remarquer haïtien trapper VIH. Et me saute dou l'italien à la Serginio, c'est ça plus et plus fréquent, c'est rapport sexuel, contact sexuel. Fait bagaille jeunesse là et puis devant bral montre comment chiffre yo, nous bral parler des chiffres. Bral ouais, jeunesse là li livré à lui-même dans fait bagaille et puis dans fait bagaille sans protéger. Parfait. Maintenant qui ça symptôme yo mon trapper VIH. Et pas gain un symptôme directement qui dit moun ça fait VIH. Pas gain du tout. Ah absolument bon? Pas. Peut-être moun nan capable présenter un petit grippe ou bien un petit fièvre inexpliqué ou bien capable gon diarrhée quelconque, mais en fait pas gain un symptôme pour dire ah depuis moun nan gain ça, li gain VIH. Non, pas gain du tout. C'est ça que fait année ça nous retenir terme ça, nous dit qu'on est statut. Pas gain rien dit moi même qui parle avant là Serginio. Pour pas me te doit infecter. Donc celle ça qu'a dit pas infecté ou pas, c'est fait à soin. Qu'on est statut. Parfait. Maintenant on se parle tout à l'heure d'ensemble d'étapes qui va le mener à sida. Étape ça aussi ça oui. Et étape là c'est que virus là l'autre attraper virus là. On attraper lui et puis il rentrer dans sang. Sang lui-même, il gagne une série de cellules, un ensemble de cellules. Parmi eux, gagne globule blanc. Globule blanc, c'est lui-même, il gagne une entité dans globule blanc qui est le TCD4. TCD4, là, comme d'adou ça, c'est lui-même qui chef d'orchestre et d'adou maestro. Nous songe l'autre petit ou te connait encore aller qu'on a sur radio lumière etc. Donc si maestro a ba une note comme ça, s'il dit pour moun ça lever voile, moun nan baisser voile, donc ça vient faire il perdu. Donc CD4 ça tout, c'est lui même qui chef d'orchestre responsable défense, a dit maestro système de défense là. Une fois que virus là j'aime dans les rentrer dans sang moun nan, là l'attaquer. Donc l'elle vini l'attaquer qu'on est à la même. Ça qui vient passer, il fait mon commence à faiblir. Donc ou ouais que l'on regarde un match football et puis depuis on fin dribbler défense là, pas gain l'autre bagarre encore, équipe la faiblir, c'est goal pour le prendre. Donc qu'on est là si est que mon dame pas aller sous traitement, qu'on est là la continuer faiblir, c'est ça qui va venir ba avec une série de gemmes toute maladie qui circule ouais gens les nous en polie là, toute maladie qui circule dans l'air. Il est facilement rentré sur le monde. Laissez nous relever l'infection, profiter. Et dans le langage opportuniste. Donc nous relever l'infection, profiter. Il a tout profité parce que il est en fait. Il a sa défense. Il n'a pas de défense. Donc puisque il n'a pas de défense, donc il a profité. Donc c'est là où profiter à qu'on est là, ou pas fait traitement approprié, ou pas combattre, qu'on est là, il n'a pas passé par ça, passé par tout, qu'on est là, arrêté. Après ça, les vins devenir gain sida, les vins rive non face grabataire qu'on est là, les vins gain sida. Vous comprenez? Donc mais sida c'est dernier parti aller pour monde qui va jamais prendre traitement. Et m'a tout rappeler pour téléspectateurs qui cap suivre nous là, qu'on est étudiant qui cap suivre nous tout. Et ou capable voir un monde qui va vivre n'importe 7 ans sans pas présenter aucun symptôme du tout. Ah bon? Oui. Il est infecté et sans pas prendre exemple sur par exemple bon prendre exemple sur moi assez fort système de défense moi les joignif bon les joignif en forme bien replète qu'on est à la même et puis dans goumen on est les défenseurs bon il faut goumen en pile pour arriver font goal donc ils font pile temps à goumen avec jusqu'à ce que ils viennent mettre à terre quand même là pas faible là pas faible. Maintenant on parle de maladie opportuniste, on parle tout de par exemple tuberculose oui. Tuberculose, c'est la première infection opportuniste que nous avons capable. Parce qu'on a un système de défense qui est faible. Et d'ailleurs, dans le milieu par nous, nous avons un bacille qui a circulé dans l'air. Donc peut-être ou même ou pas TB parce que le système de défense est bon, ou cap prendre et puis ou rejeter l'organisme ou rejeter. Mais nous avons un système de défense très faible et puis au moins, il vient sur lui. Alors l'idée a dit c'est Alphontes pour qu'on ait nature, qu'on ait statut, sinon on a toujours une maladie et pour fonctionner correctement. Correctement, pour fonctionner sans pas jambes, sans ton petit fièvre, nous t'y déjà rien expliqué. On songe dans les temps, les maladies ça fait pas tout le monde a vu les gens qui ont déjà, etc. Il y a vu les gens qui ont un bouton sur le corps, non. Je dis à là, pas que ça. C'est
C'est ça, c'est test ça. C'est test là pour faire. Nous invitons tous les spectateurs à faire test là pour qu'on ait statut. Qu'on ait statut là, lui permet de vivre mieux. Mais est-ce que par contre, on a un homme de temps, là, on finit de trapper maladie, et puis arriver quand même à temps ça, par un symptôme ou bien, ou à sentir le système là. Je me sens ça, ou qu'on a fait jusqu'à 7 ans, que ou pour que me senti rien du tout, ou à vivre normal, normal, normal. Mais on connaît, la travail jusqu'à ce que vous le mettez à terre. Mais tu as parlé de qui j'ai mon attrapé et virus là. Son monde qui a bon, monde qui est infecté. Ça, il a pris tout. Pour le infecté, pendant mon abo avec le fond, mon a gagné des plaies, il a dit blessé, l'enlève, on connaît le contact sans accent. Mais dans sa livre là, teneur et virus là, dans sa livre là, extrêmement faible pour mon a arrivé à trapper. D'où, ou moun ki VIH positif, ça ou me prend soin pour me dire VIH positif, ça veut dire moun ki gen germe dans l'ensemble, mais c'est pas moun ki malade. Donc moun ça c'est yon moun ou pa gen droit mettre là le cas. Ka manger avèl, boire avèl, ou à l'école avèl, ou à l'église avèl, ou à la marché avèl. Ka coucher bon côté? Ka coucher bon côté? Sou gagner pour ta relation sexuelle avèl, c'est protéger pour lui. Même si j'en risque quand même. Et une relation sexuelle avec un préservatif bien inserté, c'est vrai que pas jamais à 100%, mais c'est une relation qui est sûre qu'elle est. Je parlais tout à l'heure de VIH positif, je vais vous expliquer. Et VIH positif, là, c'est là que vous détectez, j'aime, parce qu'il est dans son, à travers un test. Le VIH négatif, ça veut dire? Et oui, l'offre test là. Suivant toute procédure ou faire les négatifs. Ou pas maladie. Ou ou pas gen germe dans l'ensemble. Mais ça va vle di yo bon un visa pour aller dans paradis. Li vle di condition que ou t'ap vive yo pour toujours être non. Yo correct mais pour rester dans même ligne. Ou plus responsable. Pour ta ko une personne responsable, j'en dis là, c'est génial. Faut responsable. Maintenant, qui ça je dis à donner oui, docteur Samedi par rapport à la quantité monde qui vivent à virus là en Haïti. Et en Haïti, et suivant dernière estimation que nous avons en Haïti, nous avons autour de 150 000 personnes qui vivent avec VIH dans le pays. Ce qui fait dans toute région Caraïbes, là, si bien que vrai, hier et avant-hier, toute région Caraïbes la réunie à l'hôtel Caribé pour nous brasser l'idée autour du VIH. On brasse l'idée nous avons fait pour toute région Caraïbes là. Et nous avons des invités, tout, par exemple, qui sont du Kenya, qui étaient ensemble avec nous. Nous avons brassé l'idée autour des chiffres. Nous avons gardé les chiffres nous à la main. Tu vas ici? Chiffres nous à la main. Parce que si nous avons pour toute région Caraïbes là, nous avons connu plus fort pays dans Caraïbes là. Nous autour des 150%, nous avons 310 000 personnes. Nous avons presque moitié de population qui VIH positif dans Caraïbes là. C'est Fado Aïssou donné tomber. Parce que nous avons une série de jeunes, peut-être, m'a dit, il y a un autre facteur qui est associé à ça, mais qui n'est pas responsable. Il n'y a pas de comportement responsable. Mais quelqu'un qui a dit, vu toute sensibilisation que tu as faite, et je me souviens, 3-4 ans de ça, tu as dit, qui a battu sur la question, ah, il faut pile progrès par rapport à la question de bataille contre la maladie SIDA. Et puis je dis, ah, pour chiffre ça, c'est ça, oui. Et le ministère a fait pile progrès, d'énormes progrès. Parce que nous sommes à 6% de prévalence, ça veut dire que chaque 100 personnes qui ont vu, vous avez compté là 6. Je dis à là, nous sommes autour de 2%, nous avons fait le progrès. Et nous avons fait un peu de décès. Si nous sommes capables de montrer, si nous avons une photographie, nous avons montré comment la courbe est, la courbe de décès est vraiment descendante. Parce que quand nous avons fait un cap de 85 à nos jours, c'est des progrès énormes. C'est vraiment des progrès et bon, nous toujours à lutter plus et pour nous avancer, mais nous faisons pile progrès. Mais si ce n'est pas de progrès, je vous dis, nous avons parlé de 300-400 000 personnes qui sont infectées par le VIH. Qui tranche d'âge qui peut s'exposer à la maladie? Et bon, dans l'ensemble, ça nous remarque que tranche d'âge qui peut s'exposer à ces 15 pour 29 ans, avec un pic de 24 à 29 ans. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est petit jeune. Petit jeune. Bon, comme son population jeune, tout le monde. Bon, en fait, oui. Et données démographiques ont montré que nous sommes une population jeune. Oui, c'est jeune, les gens qui ont plus de force pour le travail, là. Pratiquement, c'est eux.
Et bon, l'autre aspect pour garder dans la question, ça, c'est Junior. Jeune fille de 15 à 29 ans, ou observons pic, ça veut dire observons pic, une grande quantité qui est infectée là-dedans. Et versus monsieur, il a commencé à 40, 42, 43, jusqu'à 45, 49 ans même. Et après, ça veut dire que grand monde a plus de rapport à ces jeunes. Voilà. Donc, ces relations intergénérationnelles, ça, et communément, on dit madame, papa, en réalité, qui a un facteur sociaux qui expliquent les quand même. Misère, précarité. Précarité, tout ça. Donc, pour aider les jeunes à l'école, pour aider tout et tout. Donc, ça permet que, même si mon avez d'eau, même quand vous avez bien, utilisons préservatif, c'est bon. Donc, je ne peut-être pas penser à ça. Donc, ou est dans deux groupes, ça, on là, monsieur, dans la zone 42, 43 ou plus, observez plus, et puis dans 15 jusqu'à 29 ans, vous observez le cas, mesdames, ou plus. Ok. Maintenant, ça l'avait dit tout, lorsque vous 15, 29 ans, si vous faites des bagages bonnes, très tôt. Très tôt. Quand même exposé. Oui, très tôt, si vous avez 15 ans, 14 ans, nous avons des gens qui enceinte à 12 ans, 13 ans, et puis qui veillent positif à la fois. Pourquoi phénomène grand-mère à 30 ans, vous avez un phénomène ça? Phénomène grand-mère à 30 ans. Oui, déjà. Non, oui, oui, possible, mais c'est ça que je dis là. Parce que si vous avez un monde qui gagne 13 ans, 14 ans, et puis qui. Qui gont le monde, c'est possible, c'est maman qui te suit comme ça, et puis ouais, mon ange 30 ans, et puis. Ouais. J'ai mis un article qui te montre plus jeune, quand même, à 26 ans, mais c'est pas en Haïti. Okay. Mais le phénomène, ça, nous commençons à observer en Haïti. Donc, il y a un autre groupe tout, qui est assez vulnérable. Nous pas capable passer dans la télévision de l'État pour ne pas parler des groupes ça. Et l'autre groupe qui est assez préoccupé, nous, c'est Orsa. Alors ça, là, c'est des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Homosexuels. Homosexuels. Garçons qui ont des relations avec garçons pareils. Donc, selon tout étudiant, dernier enquête EMIS-là, c'est enquête de mobilité, mortalité et utilisation de services. Dernier qui s'est fait là récemment, là, en 2017, il révèle que autour de 13% dans le monde, ils ont infecté par le VIH. Contrairement à la moyenne nationale, là, c'est 2%. Mais dans la catégorie, il y a autour de 13%. Ça t'a voulu dire que ça, c'est le groupe priorité, nous, et le groupe clé, nous, pour nous travailler avec. Ça passe selon vous, le groupe est très exposé pour ça. Et il est très exposé parce que peut-être qu'il n'y a pas des comportements responsables. Et puis ensuite, anus, là. Et en fait, les gagnants. Alors, l'on garde anatomiquement, l'on garde anus là, il est fragile. Parce que n'importe qui frotte, la blessé. Et je ne pas oublier, je suis allé avec eux. Et anus là, et c'est contact sans accent. Et puis, il y a une faute pour moi. Il est blessé, sans rencontrer de sang. Comment ça, ça veut dire? Donc, si mon a infecté, il a infecté l'autre là. Donc, c'est. Pour vous dire que c'est génial et Mounsayo depuis dans contact anus et pénis anus donc ça capable provoquer lésion facilement et puis blesser et puis gagner déchirure et puis ça arrive facile qu'ils soient infectés et aussi bien même Mounsayo suivant une étude que nous avons réalisée 2014-2015 nous voyons que Mounsayo passé 9 nouveaux partenaires. Parmi 9 nouveaux partenaires, ça a eu par année. Parmi 9 nouveaux partenaires, ça a eu gagné 5 là-dedans, ces femmes, 4 garçons. Ça veut dire, je comprends. Bi. Il y a 2 tiers là-dedans, et tu dois révéler qu'il y a 2 tiers là-dedans. Qui est bisexuel. Qui est bisexuel. C'est-à-dire qu'il y a la femme, un garçon, une fille. Alors, on connaît comment tout le monde a expliqué. Et gagner qu'on sait la question VIH là. Yon moun gen yon mari. Li remarque que mari a pas bal service, li vin gon ti ménage. Et ti ménage sa, comme de fait, moun nan, soit plus grand passé li, li gon bon ménage.
bon ménage ak suspect quoi grand monde là li gon ti ménage ti ménage ak suspect ou gon l'autre nèg li gon l'autre tout donc ou est côté chaîne dans sorti donc tout moun sa ou par le fait que yon fait l'autre confiance yon commencé à faire bagay sans préservatif ça capote tout donc li sorti on li sorti non point a et puis pas jamais fermé c'est ça c'est bon ménage tes amis bon ménage tes amis sous base confiance sous base confiance et nous remarquer moun yo alors suivant toutes données nous recueil yo depuis yo fin fait bagarre avec moun nan 4 fois avec capote 5e fois yo fait sans capote sous base confiance j'en sont dire sans pas même vérifier non sans pas vérifier sans pas vérifier c'est là nous mande des jeunes yo cap suivre nous là sur télévision hein? Et pour yo gien des comportements responsables moi je seulement tout moun net parce que je dis la garde monsieur 40 oui ben bah, en fait oui tout le monde nous voulait cultiver un comportement responsable. Mm-hmm. Vous comprenez? Parfait. Maintenant, qu'il y a. Et il y a un autre groupe toujours. Il y a une catégorie de monde qui vend sexe pour l'argent. Okay? Nous-mêmes, nous relayons professionnels de sexe, PS. Travailleurs de sexe. Travailleurs de sexe. Et nous-mêmes, nous autour de 8%. Nous sommes tous allés à la moyenne nationale, là, c'est à 2%. Le groupe est très élevé. Donc il y a des partenaires qui alors moun k ap vinn fè bagarre avec eux qui infecté yo et puis eux même il a infecté l'autre monde parce que gen moun tout selon toute étude yo pi fort moun ça yo gon niveau de confiance yo gen avec moun k ap vinn dans café parce que mes côté pour méfier au Sergino c'est que moun nan dit s'il t'est malade nda wèl ap pran médicament nda wèl commencé gen bouton sou kole ou ta wèl ap maigri nous zout aller nan commencement émission sou dire que moun sa ou pa gagnen signe symptôme qui compatible à ça et pa gagnen le konya là et c'est parce que moun maigri fait les non ou ka gagnen n'importe l'autre maladie et puis ou perd du poids mais c'est pas ça donc moun sa autour de 8% donc ça ministère santé publique on va parler de mesdames qui rapport à mesdames Bayo et ça pas vraiment nous pas vraiment fait étude sur lui mais et incidence vraiment minime vraiment vraiment minime par rapport à ça OK maintenant on monde qui fait test et puis qui voit le VIH positif qui sa première réaction là lui et première réaction mon là c'est mettre en confiance que ou une maladie comme toute maladie. Alors, dans la structure des soins, nous avons ensemble. C'est une équipe multidisciplinaire qui prend en charge les gens. L'elfine passe par une infirmière conseillère qui pour parler avec lui avant, qui dit le même test là, mais qui résultat, comment résultat est capable de venir. Ensuite, il fait tester, il accepte de faire tester. Test a venu, il révèle positif selon toutes conditions que nous réclamons pour faire un test pour le valide. Après ça le positif nous voyons il y a un psychologue un monde de parole on a un psychologue qui a un pile parole pour faire mon habitué avec pour l'apprendre pour le comprendre pour le capable adapter parce que c'est une nouvelle réalité. Dis-vous VIH aujourd'hui, c'est dis-vous VIH jusqu'à dernier jour que vous avez pour vivre là. Donc, on est là, il y a un traitement à vie. Donc, traitement à vie, il veut dire qu'il faut que vous commencez à adapter à ça. Il faut être d'accord et l'adapter à ça. Suivant le protocole que nous développons, ou bien OMS, qui c'est organe, qui c'est entité qui a régulé tout le système de santé dans le monde là. Donc, c'est tester et traiter une fois que moun, ça veut dire, une fois que moun nan wè, yo wè jèm nan, nansan, c'est proposer un traitement. Et c'est ça qui permet jodi a la, mwen di, nous pa gen toute quantité moun sa yo qui est infecté par le VIH. Alors, le traitement, c'est ARV. ARV. Antirétroviraux. Antirétroviraux. Qui est disponible en Haïti. Et nous gen disponible. Et gratis dans 170 structures de soins. À travers le pays. À travers le pays. Donc, ouais, le ministère a fait l'effort, ensemble avec les partenaires. Donc, il est disponible, il est gratuit. Et pour nous, nous venons dans un nouveau protocole. Ça, c'est des efforts que nous avons fait
pour nous capables accompagner la population un peu plus toujours. Donc, c'est un peu l'effort que le ministère a fait sur ça. Nous avons un nouveau protocole. Il y a un médicament depuis que nous avons bien pris. Sous 4 semaines, depuis dans 2, 3, 4 semaines, nous avons bien pris. Régulièrement, Jean docteur ou bien Miss là, expliquez-le pour le prendre là. Les vignes gagnées, ça n'était capable de régler un charge virale indétectable. Donc, il a fait ça pour nous voir si bien ça. Et ça, ça veut dire que l'appareil que nous utilisons pour faire test là, pour garder la quantité de virus qui a circulé dans le sang, maintenant, et puis, ouais, que, ou pas, ouais. C'est des détections, il n'est pas capable de détecter du tout. Donc, et puis, il y a moins d'effets secondaires. Tout. C'est ça qui fait, on a invité mon nouveau prendre toi. Et au micro, nous avons parlé tout à l'heure, nous avons dit que les gens ont moins de risques pour transmettre maladie à des gens. Les gens avec un charge virale indétectable. Et je garantis que les gens avec un charge virale indétectable qui toujours été sous médicament, mon cher, il est bon de rechercher. Il y a pour le monde des accidents, il y a pour le monde des autres bagages. Mais ce n'est pas VIH capturé. C'est ça qui fait nous inviter les gens à avoir des comportements responsables pour les médicaments. Premièrement, c'est qu'on connaît le statut, j'en ai dit là. Et puis, une fois qu'on connaît le positif, prend les médicaments convenablement. Et puis, par la suite, et puis. Mais vous avez toujours continué à avoir des relations sexuelles? Évidemment. Il y a des relations sexuelles protégées. Okay. Avec capote. Avec capote. Et au cas où tu as décidé de ne pas utiliser capote, ça capable de faire incidence? Oui, la fini, même les ligues ont cherché à l'indétectable, la fini par infecter mon tout. Parce que en fait. Non, on va parler sous Vimouna. Sous Vimouna? Non, il n'y a pas rien pour le voir avec Vimouna. Parce que les médicaments qu'on prend, il n'y a pas rien pour voir avec l'érection, ça nourrit les bonnes. Il n'y a rien rapport avec ça. Il n'y a rien rapport du tout avec ça. Maintenant, l'on monde a fait test, parce que ça arrive de monde qui dit le film faut test. L'obligé de 3 mois pour reconfirmer est-ce que effectivement qui ça statue lié. Alors combien de temps ça prend par rapport à les mon prévu ça pour que test ça détecte effectivement mon gars. Effectivement test nous utiliser test conventionnel le gain l'autre mais ça nous utiliser précisément c'est à 12 semaines je vous dis là 3 mois. Sur 3 mois effectivement depuis mon nan infecté sur 3 mois on voit mon nan et on voit. C'est ça avant que la parole. Oui, s'il fait l'avant, le pas pour elle. OK. S'il fait l'avant, le pas pour elle. Il y a un peu de possibilité pour le pas pour elle. C'est ça que fait nous dire, tant toi, moi. C'est ça que fait nous dire tout à l'heure. Les gens fait cela. Il n'y a pas de trace maladie dans le sang. Nous disons qu'il y a même comportement responsable. Ça. Et puis nous disons, dans 3 mois, nous préférons le pour encore. Mais il faut qu'il y ait même comportement toujours. Si dans 3 mois encore, nous faisons le pour. Nous parlons toujours avec le même comportement, nous encourageons à rester dans la même ligne et puis en forme. Mais à la minute que vous déviez ou à la guerre, vous avez même tout bas, des relations non protégées, etc. Comme moi, je dis, c'est le plus et le plus primé dans le mode de transmission nous, en Haïti. Donc, vous êtes capable toujours prendre. Parce que généralement, vous parlez de ABC et abstinence, bonne conduite et puis condom. Et oui. Vous pouvez nous tout. Oui. Mais abstinence, là, est-ce que je jeune? Moi, je suis venu à l'église baptiste. Et nous connaissons les jeunes, nous avons toujours prêché nous. Abstinence. Avant le mariage, tout à fait. Fidélité, et puis abstinence. Après le mariage, fidélité. Avant le mariage, abstinence. Et 10 jeunes n'ont fait abstinence aujourd'hui à c'est génial. Ça veut mieux? Bon, c'est vrai pour mourir par ça. S'il fait abstinence, préférez que vous parlez de préservatif, la bonne existence préservative. Parce que vous avez d'accord avec vous. En fait, vous avez l'air de ça dans l'église. Non. Doctrine que vous avez moins dans l'église côté. Pas nous parler du pasteur, mais tout pour un plaisir, vous avez le pasteur Luçon Napoléon. Belle-Vissalem. Donc, doctrine que vous enseignez, nous, c'est abstinence, c'est avant. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Mais en fait,
le jeune de nos jours qui regarde la télévision chaque jour et qui sur les réseaux sociaux ou en pile bagaille, donc yo veut aller faire expérience. Et comme des faits expérience ça pour aller faire, c'est des expériences vraiment en clandestinité. Donc pas même gain moyen pour yo pas gain côté pour mettre préservatif là, yo pas gain. Donc yo fait sans préservatif. Parce que c'est on ba yo veut opportunité peut-être grand monde pas là. Peut-être à l'école, yo vi un côté un moment pas de temps pour te connaître existence préservative là, ça pas passer dans tête li. Mais sou pas parler de li Serge Junior. On continue là-dedans. Ou femme tout monde ça, gien monde qui croit si on fait si on une relation sexuelle, on fait bagaille dans la mer. Dans l'eau, pas de possibilité pour attraper VIH là. Ce qu'a dit sur ça, scientifiquement. Et scientifiquement, il n'est pas recommandé pour moi de faire des choses dans l'eau, c'est génial. Il n'est pas recommandé. Et pendant que je suis dans l'eau, si j'ai une pénétration, la pénétration douloureuse. C'est-à-dire si j'ai un frottement, la douloureuse, ça t'a voulu dire que la fille n'a pas mouillé. Ok. Fille pas mouillé, on fait pas mouillé, ça veut dire que frottement yo gain possibilité pour blesser. Pas oublier des germes n'a pas là, c'est des virus qui n'a pas là, c'est génial. Virus c'est plus petit particule que vous êtes capable d'observer, et ben à n'importe microscope qui est capable d'un virus. Donc depuis gain frottement gain possibilité pour blesser. Et puis si gain sans rentrer dans ça, on connaît ça, ça veut dire. Ouais. Si nous retournons dans ça, on ne parle pas. Alors, parole parle comme quoi, monsieur, car la gueule, n'importe qui, je l'ai. Nous pas encourager. Premièrement, nous pas encourager mon yo fait ça dans le bois. Nous pas encourager du tout. Il y a un risque là-dedans. Un peu de risque. Il y a un peu de risque là-dedans. Parfait. Maintenant, pour le niveau programme national, le considère, le travail que nous avons fait, je dis, qui s'allie, le consiste en qui ça? Oui. Nous-mêmes, dans le ministère de la Santé publique, nous avons une entité en direction centrale qui est le PNLS, qui est le programme national de lutte contre SIDA. C'est là que je travaille. Et je salue le docteur François, Kessner François, qui est mon chef de service. Et je ne parle pas avec, donc, avec une chose à faire de oui, et docteur Joël Dez, qui est coordonnatrice là, et qui a géré la boîte ça pour le pays. Hein. Donc, mais qui ça nous divisons en trois unités techniques. Nous avons une unité qui c'est communication, qui fait communication pour le changement de comportement. Une unité technique qui occupe de ça. Nous avons l'autre unité qui occupe de soins et traitements malades, qui écrit les protocoles national thérapeutique là. Nous avons une troisième unité qui est une unité technique qui c'est suivi évaluation, qui permet aujourd'hui à donner nous autres partager avant eux. C'est suivi évaluation qui va me donner ça, qui gère les données pour le système VIH là. Donc c'est toi, à travers trois unités ça, nous travaillons ensemble donc pour nous porter une réponse appropriée dans la lutte contre le VIH dans le pays. Ça arrive une fois test et puis mon parrain, le résultat est certain, il parle ni positif ni négatif. Et oui, nous, ça arrive, nous faisons test pour nous, nous les tests indéterminés. Laissez-nous faire un rendez-vous. Vous faites ça? Sur moi. Ça, qui a fait ça? Et il y a plusieurs facteurs. Par exemple, nous avons une infection quelconque. Une infection malaria, par exemple, et une femme enceinte, qui a fait test. Il fait une, parce que c'est une qui est réactif, qui permet de faire un deuxième. Laissez-moi faire un test spécifique là, ça pour confirmer là, les ou non. Pas de ça là. Donc, comme il y a un qui est positif, il y a un négatif, donc il est incertain, il est indéterminé. Donc, on est là, pas de sortir de là, ou bien on a rendez-vous sur moi, pour faire même processus là pour lui. Mais généralement, les gens qui sont arrivés, ils ne sont pas très suspects, ils croient que c'est maladie ou bien. Bon, on connaît, et en fait, c'est l'éducation pour nous faire avec nous. Continuer à éduquer les gens pour comprendre que les gens sont indéterminés. C'est rien. Vous êtes capable de gripper là et puis il y aura une trace. C'est un virus. Grippe là, c'est un virus. Mais en effet, il va expliquer qu'avec un test sensible qui est réactif, il va expliquer rien. C'est ça que nous faisons un deuxième test. Et actuellement, c'est 4 tests que nous faisons. 4 tests? Pour nous dire que nous effectivement vrai, pour nous dire positif. Les quatre tests, nous faisons un premier, un deuxième, nous confirmons. Après ça, nous reprenons ça encore.
nous refaire même processus là encore pour être sûr que nous là parce que la dernière fois moi je me fais test sida il va être longtemps test VIH et test VIH pardon merci et c'était sur le champ résultat là oui c'est sur les champs c'est test rapide yo pico et puis dans une vingtaine de minutes moi ce que ça hein changer oui que ça. Maximum 20 minutes et puis hyper réactif yo le monsieur donc mais voilà yo font test pour vous test là négatif donc continuer qu'embe même ligne de conduite et puis on retourne dans 3 mois c'est comme ça mais qu'on y a là s'il est réactif il va le mettre même sans ça il va le mettre son l'autre test qui sont tests spécifiques comme nos étudiants captant de nous là on teste les Unigol et Unigol là s'il réactif tout allez au vin gain deux tests réactifs l'elfine réactif là qu'on est là on peut aller reprendre sans mon encore son l'autre spécimen ou aller reprendre sans mon encore pour faire test à voler qu'on est à s'il même poser si on refait encore il dit oui effectivement c'est ça pas bien sorti de là que système là prend en compte les notifie ou connaissez une notification immédiate il notifie comme un monde qui VIH positif enfin mais il pas dire au monde qui fait sida pourquoi fait sida non si tu vas la traîne ou sida si ou pas prend médicament yo gens nous dit pour prendre et pour me dire mon ami médicament sont celle grain l'histoire seulement ou grain arrive l'histoire seulement avec pendant 6 premiers mois aussi au garder j'en nous t'ai dit que mon organisme pas réagi bien à RV selon données disponibles tout non et ou connaît n'importe médicament prend on doit prendre paracétamol ou tout monde prend là et même il pas réagi bien avant mais nous gain dans arsenal thérapeutique nous gain alternative nous gain drogue alternative pour ça donc ça veut dire si pas joindre ça si ça pas bon pour vous comme monde et tant que monde mais on l'autre pas pour parce que c'est pas un grain seulement nous gain ministère a disposé de ça ensemble avec bailleurs de fonds des principaux bailleurs de fonds qui c'est les fonds mondiaux et les fonds PEPFAR donc yo aidé nous en pile donc ça veut dire c'est pas seul graine si ou pas prendre graine ça si ou pas prendre ça ou mettre oui nous gain alternatif c'est ça fait nous encourager mon pour prendre médicament et n'ta plus dernièrement plus nous dépister puis bonheur c'est plus traitement à papier efficace puis efficace mais c'est peut-être ça ministère santé publique choisit thème ça année pour qu'on sache. Une fois qu'on constate au bibonnet que ça va passer. Moun pa konn a fort. Moun pa jamais ou te kouche un jour malade. Parce qu'on prend ou comprime normalement, c'est le soir encore moun pa même ou prend médicament, ou prend médicament le soir et fini. Parce que on est jusqu'à présent son maladie côté moun stigmatiser moun qui gagne. Et bon c'est éducation. C'est ça qu'a fait ministère santé publique surtout dans unité de et communication pour les changements de comportement et n'a pas encouragé presse parler télévisé dont télévision nationale d'Haïti pour aider nous dans sensibiliser moun yo pour comprendre que yo moun qui gen germe maladie ça dans santé son moun même j'a tout moun ou pas doit stigmatiser nous sont dit à l'air ou capable ou à l'école avec ou à l'église avec ou passer prendre dans marché donc en province qu'on est ma commune tel passer prendre compagnie tel puis à la marché les mardis les mercredis etc tout ça les jours marché ou passer ou à l'escouade avec ou passer ou jouer domino avec tout et tout ou coucher même côté avec ou manger même côté avec ou à dîner avec ou inviter le monde même cuillère tout tout à fait tout à fait c'est génial c'est génial mon connais les gros mon enfant bien j'aime non ça fait non mais c'est ça nous besoin retirer caille famille en quarantaine fait que mon amour vit vite toi. Mais justement, c'est pas maladie facilement tout. C'est pas maladie, c'est chagrin tout. C'est ça. C'est chagrin tout. Tu pas faire un travail qu'on parle ba mon job hein. Et je pense que c'est son discriminant. Bon, mon droit humain ou peut-être y a suivi nous là son bagage mes amis, ça son manque de droits humains, c'est violation des droits humains là. Mais son monde en forme d'un comme droit VIH positif. Et nous avons toute catégorie de monde qui VIH positif. Nous avons docteur VIH positif, nous avons infirmière, nous avons tout. Cap travail un peu partout. Professionnel. Tout professionnel, toute catégorie de monde. C'est même j'avais un monde qui est hypertendu. Maman qui est hypertendu. M'encourager le premier médicament. Mais si c'était abusé, à pas de ton problème, s'il connaît ou hypertendu. Et de temps en temps, toujours à checker tension pour mon médecin de son état. Toujours à checker tension pour me garder comment ça. Je suis chéri pour prendre médicament tous les jours.
papa m'a diabétique. Je dis, il faut prendre des médicaments tous les jours. Et toujours encourager pour les médicaments. Mm-hmm. C'est même gens, nous avons besoin d'une famille autour. Pour encourager les gens qui font VIH, pour encourager les médicaments le soir. Vous comprenez? Donc, avec l'objectif premier que nous avons dans VIH, c'est arriver à un charge virale qui est indétectable. Mm-hmm. Pour un charge virale indétectable, c'est prendre un médicament, j'ai mis cela avec le docteur Azou pour prendre là. Sauf que tu es infecté. Et ça permet. Il y a moins de risques pour transmettre la maladie à l'autre monde. Ok, pour nous parler, là, il y a des gens qui ont dit ah, puisque la question de SIDA, VIH, ici, il y a plus l'ONG qui travaille, il y a plus d'efforts qui ne sont pas suspendus, fait, dans ce souligné, au bon côté santé publique à la population. Mais il y a des gens qui disent est-ce qu'il y a plus de fois, chiffre pas grossi pour permettre que attirer les bailleurs, mettre plus de scope dans le traitement de la maladie? Ça, nous avons donné. Donner qui est bon, c'est donner fiable, parce que. Moi, je dis comme ça, dans l'unité, alors dans le programme national de lutte contre SIDA, nous avons trois unités techniques. Parmi eux, nous avons une unité qui est suivi et évaluation. Suivi et évaluation, c'est lui-même qui gère les données pour le pays. Okay. Donc, nous n'avons pas intérêt. Comment nous collectons les données, ça, docteur? Collecter les données, nous avons une plateforme qui est les mesures, qui est monitoring, évaluation du système intégré. Mm-hmm. Donc, à travers lui-même, chaque monde moins zo qui est jeune qui positif dans le système. Là, et puis, l'ajouter non. L'ajouter, bon, sous anonymat, l'ajouter. Sur plateforme qui est libre, c'est génial, vous pouvez monter sur www.mesi.ht. Ou après ça, même là. Plateforme dans libre. Sauf que, vous pouvez modifier rien là-dedans. Yeah. Moi-même qui ai accès, je peux modifier, je peux ajouter, etc. Mm-hmm. Mais c'est la donnée. Où, mais c'est à travers 170 institutions ça au moins qu'a recevoir monde tous les jours. C'est là nous-mêmes et puis nous gagnons des monde qui fait supervision, qui garder, qui valider données à caler dans cahier dans dossier dur pour garder si ça monde nous mettait effectivement c'est ça. Ça c'est unité de suivi évaluation dans le ministère qui occupe de ça. Donc si pas de gagner peut-être nous avons dit ONG et partenaires techniques nous avons travaillé avec nous pour influencer le biscope. Non, pas bien ça. C'est peut-être c'est son là, oui, ou comme on connaît son pays qui fonctionne sur lui, mais nous y comprenons. Donc c'est peut-être son là, oui, qui fait ça. Mm-hmm. Maintenant, vous parlez de ensemble de structures qui ont collecté, donné pour nous, mais parfois on a des dépistages de cliniques mobiles. Et pour les cliniques mobiles, tu profites de faire des dépistages. Donner ça à vous. Clinique mobile. Il y a toujours en bas sous l'obédience d'une institution. Parce que c'est pas mon par exemple, il y a des étrangers qui viennent faire effort, mais qui viennent faire effort et aider les gens en bas aux médicaments. Il faut passer bon côté de nous pour nous avoir accès si vous avez fait dépistage VIH. C'est dans un recul qu'on a des gens qui prennent l'initiative là sans sensibilité pour vous. Non, le ministère a son organe déconcentré. Nous avons dans chaque département, nous avons un directeur départemental de santé publique. Et dans la direction départementale, ça, nous avons un responsable de programme VIH là-dedans. Chaque direction ça. Et les gens qui sont responsables de programme VIH là, dans la direction départementale, là, nous avons des institutions qui les supervisent. Continuellement, sur une base systématique, la supervision, pour garder le travail, est-ce que nous avons bien fait le travail? Et si, par exemple, moi-même, c'est mon Beaumont, si on peut faire une clinique mobile Beaumont, il doit contacter directeur de l'hôpital Beaumont. Parfait. Donc, on y a là. Et en plus de ça, noir sur blanc, nous écrit le protocole, nous, ou pas qu'à confirmer au monde qui VIH sous terrain. C'est nos institutions pour confirmer. Donc, si c'est un dépistage de la clinique mobile. Mais non, c'est le premier test à faire seulement. Et si vous premier ça, test, oui, je vous dis, vous avez fait un test, vous avez fait un test pour seulement. Ouais. Ça fait, oui, c'est une structure. Oui, même si c'est une structure, ça est capable de faire dans une clinique mobile. Mais si vous avez si le réactif, vous avez une institution, une institution, une structure des soins pour le faire. Ok. Parfait. Pour qui ça? Parce que. Pour institution qui prend en charge. Les gens qui font clinique mobile, ça n'a pas de moyens pour prendre en charge. Un traitement à vie, les gens qui passent. Pas qu'à un traitement à vie. Moi, j'ai un accompagnement. J'ai quelques villes de province, les gens qui VIH positif. J'ai un accompagnement, même dit de manger, l'argent qui baille tout. Hein. Parfois, non. C'est ça, rentrer dans quatre programmes nationaux. Dans quatre programmes nationaux, là, on a fait effort ensemble avec partenaires techniques et d'implémentation. Donc, ce n'est pas l'argent qui baille.
Et si on regarde après Mathieu, Cyclone Mathieu, Grand Sud là, t'es dévasté complètement. Nous t'es gardé avec partenaire nous qui m'a cité non lui. Pour te ban nous des rations sèches pour moun yo, surtout pour moun yo. Et on regarde à l'époque, j'étais responsable programme VIH dans les départements d'Anip. Moun yo pas même bien pour manger. Parce que j'en ai dit à l'aise, on a une maladie stigmatisante, on a dit ça, il dit ici, il n'y a pas passé là. Et puis, on a dit pour le tout dire. Bon, on dit l'autre, vous connaissez. Donc, il y a quelques gens qui n'ont pas cultivé la discrétion. Donc, et puis, on dit, et puis, on dit ça, manger ici. Il faut la gagner. Oui, mais oui. Et puis, les gens ont venu, ils ont encouragé pour le bal, un petit frais pour les machines. Et parfois, on a dit, si ça, on a dit, qu'il n'y a pas besoin de citer là. Il y a des gens qui sont loin de Saint-Gino, qui viennent prendre des médicaments, qui fidélisent à traitement. Donc, est-ce que vous êtes obligé à la structure de soins pour prendre des médicaments? Est-ce que pas capable pour lui-même de prendre la qualité? Non, il y a des conditions. Oui, il est capable. Il est capable de prendre, mais il y a des conditions. T'as vu? Il faut que ce soit un monde régulier. Il faut que ce soit un monde qui n'a pas d'autres maladies associées qui nécessitent pour qu'elle vienne à l'hôpital. Alors, elle me dit maladie associée à la diabétique. Quelqu'un d'autre maladie qui permet de temps en temps de venir au docteur. Donc, il faut que ce soit un monde qui gagne au moins 6 mois sous traitement. Après 6 mois, on est capable de voler le. Non, mais attendez, avec une charge virale indétectable. Ah oui, ça, c'est la première condition. Il faut que ce soit un monde qui est discipliné, il faut que ce soit une charge virale qui est supprimée. Non, mais on se dit que c'est le soir, on n'a pas lancé la calibre de toute manière. Est-ce que le soir, on ne parle pas chaque jour. Ok. Ou parler pour moi. Ok. Mais quand il y a là, on a dit que s'il n'a pas besoin de venir dans la structure. Parfait. Après, il finit une charge virale indétectable et puis il y a un monde qui zèle dans toute activité et où elle comprend ce qu'elle fait. Et apparemment, elle n'est pas en forme. Non, non. Il est en forme. Et puis, les vle prendre tout, les vle gon quantité de médicaments là, Kali. Nous allons prendre. Parfait. On a deux personnes qui sont mariées, puis une là-dedans, ils ont testé VIH positif. Qui t'a donné réaction de leur partenaire là? Continuer à être avec madame ou bien monsieur. Mais c'est ça. Et. Yon n'a pas. Bon, non, pas de conditions, c'est génial. Et si bien qu'il est vrai, hier, et puis. Yo mon relé me dit comme ça que ça on cause de divorce quand même et yo mon relé me dit comme ça que mais le gars qui va le marier qui est une qui sorti positif parce qu'il a dit il va faire mariage moi c'est son violation de droit. Ah bon? Moi c'est son violation de droit les union. Mais oui. Et m'bral zo gè faut pas d'accord si pas d'accord. Mais tout à fait monsieur a d'accord oui il dit d'accord pour le mariage. Mais c'est l'amour, nous pas parler de maladie, c'est l'amour. OK. C'est l'amour qui a parlé là. Donc, on peut comprendre que le ministère a une stratégie pour ça. Ça nous relève, on coupe ses discordes. Okay. Ou positif ou négatif. Donc, nous avons une stratégie pour lui, qui est la thérapie pré-exposition. Alors, prophylaxie pré-exposition. Elle dit pas de traitement, prophylaxie. Donc, les gens qui sont malades là, il y a une possibilité pour le bon médicament. Pour le bon médicament, qui en pile, même s'il gagne une relation, nous protéger avec madame. Non? Il va bien avec vous? Oui. Ah, très avancé. Nous sommes là. Très avancé. Mais bien sûr, allez, nous sommes là maintenant. Nous avons toujours une maladie et puis il a fait mal avec madame qui va gagner. Mais, c'est pas, mais attention, c'est génial. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas un bar, on va laguer des ordres. Et si vous regardez dans l'autre pays, par exemple la France, c'est payé, on fait mon pays, ça a prophylaxie. Mais comme on connaît, nous sommes un pays qui a des ressources vraiment limitées. C'est ça. Donc, partenaires, nous aidez-nous avec médicaments. Mais nous sommes là. Okay. Donc, allez, pas de nécessité pour pasteur. Pas fait mariage. Depuis que nous avons consenti, nous sommes d'accord. Ce couple, c'est au discordant. Les gens qui ne sont pas infectés, la prennent après pas là. La prend. Oui. Il n'y a pas de risque de maladie. Non. Il suffit qu'elle bien prenne. Parce que tout donné, tout donné. Par exemple, moi-même, je parle là. Moi, c'est mon collège espagnol de médecine qui m'a étudié en Europe et en Espagne. Donc, tout donné, que j'ai toujours partagé régulièrement avec moi, tout donné montre que c'est un bagage qui est vraiment efficace. Et je dis à la en Haïti. Zéro risque. Et bon, pas jamais de bagage qui est. Non, non. Et il faut bien prendre. Et pour nous, bien, c'est génial. C'est là nous y est, même avec tout le pays. Mais si il y a l'autre bagaille qui nous pas avancé, maintenant le VIH, nous très très avancé. Est-ce qu'on gagne un exemple, un cas
au niveau du programme national de contre SIDA à Haïti, qu'on ait deux mouns qui estiment ensemble, une pas de guerre, et puis nous battons prophylaxie pour eux. Pré-exposition, pré-exposition. Et pré-exposition pour eux. Et puis pendant tout le temps, on fait relation sexuelle. Il y a des exemples, je ne vais pas citer. Non, mais c'est non, 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 c'est un exemple. Oui, il y a un exemple. Il y a un exemple. Il y a et même en privé, il y a un médicament, ça. Ok. Il y a, oui. Mais écoute. Si vous voulez faire la couleur là, parce que justement, si vous voulez faire la couleur là, vous êtes capable de dire. Oui, parce que c'est mon. Mais tout le monde, bon, aujourd'hui, là, avec. Nous gagnons dans chaque structure, nous gagnons ça, les PTM, prévention, transmission, mère enfant. Ça t'a voulu dire, quelle que soit la femme qui vient dans la structure des soins, qui est enceinte, l'obligé de faire test VIH. Une obligation liée. Parfait. Parce que nous, dans le ministère, nous signons, nous souscrivons à ça pour nous faire ETM, élimination, transmission, mère enfant. C'est à la base nous prenons. Okay. Toute femme qui vient dans l'institution, nous faisons dépister. Une femme qui est enceinte. Ouais. Mm-hmm. C'est obligation liée pour le dépister au VIH. Une fois que nous avons le VIH positif, nous mettons sous traitement et donnons au parler de ça. Si nous faisons sans VIH. Sans VIH. Même si le pousse, c'est nous. Mais oui. Généralement, comme dit, c'est ça qui nous fait bizarre. Non, nous pas là encore. Ah bon. Avec les médicaments, nous avons là qui est puissant. Depuis femme n'a pas suivi régulièrement, nous parlons encore. Mais nous encourager pour faire accouchement dans un lieu qui est sûr. Mm-hmm. Ça veut dire dans une institution de soins. Donc l'hôpital. Nous avons suggéré lui. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et pas suggéré. Bon, peut-être nous faisons l'injonction même. OK. Yeah. Parfait. Mm-hmm. Maintenant, là, je dis là, et nous coupons ça, si nous contactons le programme, là, le programme national de lutte, là, nous parlons pour l'accompagner, pour mettre que le mariage a fait. Sans trop grande difficulté. Mais ils sont consentants. C'est un couple qui est consentant, qui est d'accord, monsieur d'accord, madame d'accord. Pas de souci. Okay. Pas de souci là. Mm-hmm. C'est l'amour qui parle. Parce que si vous êtes madame non, diabétique, vous mariez avec elle quand même. Mm-hmm. Pas vrai? Qui pide devant, s'il n'a pas bien pris médicament, il va tomber sur un pied diabétique. Enfin. S'il n'a pas bien pris médicament, il va vivre avec une femme au bout de pied. Ou bien, on va le vivre en mission au bout de pied, ou bien, on va amputer tout depuis lui. Il y a des possibilités pour ça. Ou bien, si il est dans le cas marié avec elle, ou qu'elle fait le fond col et elle fait jalousie, ils font stroke. Ça nous est AVC. Ouais. Et puis, sortant d'elle paralysée, elle va même être loin. Les gens qui sont dans le studio, qui observent avec des instruments, ils ne sont pas stérilisés. Ou bien, les gens qui sont peut-être finitisés, pour les gens qui ont un VIH positif, et puis après, ils ont utilisé pour lui, même si ça attaque à un petit temps. Combien de temps j'aime être capable de faire non outils ça, docteur? En fait, pas gagné en question de temps exactement. Le virus n'a pas vivant pile temps dans l'air. Mais toujours est-il un pourcentage, un peu faible quand même, qui les gens ont fini d'utiliser les outils ça, ou pas gagné doit le servir avec sans le pas stériliser. Et tout à l'heure, je disais ça. Si vous avez un frère ou bien papa, nous avons vivre du même côté, nous cohabiter. Ou bien si bon frère qui doit vivre ensemble avant. C'est personnel pour gagner des outils, ça. Yo. C'est personnel. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui fait, en pile dans mesdames, yo. Mm-hmm. Yo toujours gagné des instruments personnels qui a dans le studio avec elle. C'est bon. Oui, c'est bon. Parce que c'est vrai que le studio, nous, moi, yo fait un peu l'effort, yo stérilise le matériel, yo. Et puis, yo prend un pile soin pour ne pas blesser mon yo. Parce que j'ai longtemps, l'aime plus jeune. Alors, je suis encore jeune, c'est Gino. Même depuis jeune, il a lancé le studio où il a fait son gros. Et pour tout, pour être pour tout, non, tellement il a fait mal, il a blessé, etc. Bon, aujourd'hui, à moi, on va faire ça encore. Donc, c'est bon. Nous encourageons, on était comme ça, pas blessé, mon nom. Et puis, stériliser le matériel. Et si mesdames, ils ont lancé le studio régulièrement, ils ont fait un petit effort, acheter beaucoup, ils ont pas encore mieux. Ils ont plus sûr. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a finalement pour SIDA un traitement définitif. Une part maladie curable encore. C'est génial. Je dis à la SIDA un traitement. Il va guérir. Ah, ok. Il y a un traitement. Oui, bon, yes, là-dedans. Et SIDA a un traitement. Mais c'est ARV qui met nous en forme. Le traitement, ça veut dire que vous. Sous ta ouais des témoignages, mon frère, vous avez saisi. Des gens qui étaient graves à terre, vous mettez. Ou qu'on en province, surtout en province, les gens passent à l'hôpital, ils disent docteur, ils mettent les mourir. Et puis, ARV, dans deux mois, c'est un miracle qu'ils font. Ils n'ont pas un diarrhée encore?
Non, il n'a pas gagné. Elle a fièvre. Il n'a pas gagné du tout. C'est ça que fait aujourd'hui à la message qui m'a lancé. C'est les gens qui sont infectés. Prends des médicaments régulièrement. Ça, on gagne l'histoire seulement. Après, c'est peur, mon compte peur, par rapport à médecin que le bras le pour ne pas la faire, pour ne pas stigmatiser. Non, c'est génial. Un docteur, moi-même, c'est un docteur mieux. Et, ou pas gagne droit, même si on est grippé, il devine quoi de grippe, ou tout le monde, n'importe le monde, car là, mon copain, ou mon ami, il est grippé. Ou pas gagne droit, il dit, ou une tierce personne qui est tel, devine quoi de me boule, t'es grippé. Grippe qui sont banales, oui. Ou pas qu'il doit partager statut monde du tout, du tout, du tout. Du tout, ou pas qu'il doit faire ça, du tout. Du tout, du tout. Parfait. Et là, je dis à ces messages-là, à l'autre bagage, que Alphétès. Alphétès. Constatou. Et là, constatou, ou vivez bien. Si vous avez des comportements irresponsables, vous n'avez pas plus responsable. Et si tout ou déjà ou infecté, c'est pour un médicament régulièrement. J'ai mis ça docteur à dire pour un médicament. Et puis, vous vivez correctement. En attendant peut-être votre traitement définitif. Et on va parler de guérison. Oui, guérison, oui. Et ça fait aujourd'hui, ça fait depuis tant de dates, la lutte depuis 80, depuis dans les années 80, 82, 83, continue net. Il y a lutte dans le monde, grand pile chercheur qui travaille aujourd'hui. C'est parce que c'est nature, microbe, là, c'est virus lié. On va gripper tout le temps. Moi-même, actuellement, je gripper. C'est parce que c'est un virus qui va être grippé là. De temps en temps, là, elle retourne. Il faut que j'aime joindre un médicament qui peut détruire le virus. Quel que soit le type de virus. Hein? Pas gagner. Pourquoi gagner ça? Donc c'est parce que nature. C'est son palliatif, quand même? Oui, c'est palliatif, je veux dire. Son palliatif. Ou on grippe là, ou on prend des toiles, ou on prend tout. Enfin, il faut retourner dans le normal. Mais après, on va revenir encore. Parce que c'est le virus. Okay. Contrairement avec les bactéries, au moment de couper le coulement de la terre. Mais chaque 1er décembre, il y a une mobilisation. Qu'est-ce que ça nous fait pour une quelle mobilisation ça, pour que nous soyons plus responsables pour éviter la maladie à continuer de propager? En fait, oui, chaque 1er décembre, c'est une journée de sensibilisation. Pour nous toujours connaître 10 personnes qui peuvent infecter eux, que la maladie à leur infection. Hein. Les bons politiques, ils existaient. Ils ont un système inventé pour décourager les amoureux. Ah oui, les petits mondes, mon ami. C'est, moi-même, dès qu'on répète par ça. Alors, en fait, les amoureux de l'école de médecine, donc dès qu'on répète par ça, tout. Mais en fait, ce n'est pas ça lié du tout. C'est et nous sensibiliser les gens et nous inviter les gens qui sont déjà infectés à le prendre régulièrement. Les gens qui sont beaucoup infectés à nous inviter pour prendre ça, pour adopter des comportements responsables. Et moins de ça, et à travers presque toute structure des soins, 170 structures des soins, il y a célébré la journée mondiale, là, il y a commémoré la journée mondiale là, tout, pour sensibiliser dans chaque zone côté. Et pendant le week-end, ça particulièrement, il y a des tests de dépistage partout. Hein? Partout, un peu partout, en Haïti. Donc nous-mêmes, acte officiel, là, c'est l'hôtel Caribbean en fait. Hein? Qui nous invite au capable de... C'est qui là? Demain, c'est JV. 1er décembre. 1er décembre. De qui là, à qui là? C'est de 8h30 jusqu'à 13h, comme ça. Donc c'est pas une journée de commémoration, ça. Nous profiter, nous commémorer le tout en mémoire des gens qui déjà dévancé nous. Et aussi bien une journée pour nous prendre conscience. Pour nous prendre conscience, pour nous infecter, pour un médicament. Parce que, ou pas qu'à, parce que, haïtien soi, ça est bon pour lui, ou est-ce qu'on peut encourager le fait. On n'a pas encouragé mon traitement. Nous avons encouragé mon traitement. Encourager tout le monde qui n'a pas de maladie, là, pour avoir un virus, là, pardon, pour être plus responsable. Pour être plus responsable. Et bon, l'autre bagaille qui est oublié, c'est génial. Nous avons autour de 7200 personnes qui sont infectées. Dans 7200 personnes, ça a eu. Pour tout pays? Pour tout pays. C'est pour me dire que nous avons une femme qui est enceinte, qui veille VIH positif, et puis vous faites des gens sans VIH. Vous ne parlez pas de l'hôpital? Non, vous faites des gens sans VIH. Ok. C'est ça, je me dis, oui. C'est faux ça qu'on a fait là. Ok. Donc, parce que nous emboîtons les pas pour nous. On dit 7200 personnes qui infectent, dit. 7200 personnes. Oui. Mais sont des chiffres très petits. Oui. Mais c'est des chiffres. Comparément, on donne moins qu'à présent, qui sont au Kenya, par exemple. Qui gagnait autour de 44 000
petit monde moins que 14 ans qui est infecté. Maintenant, petit monde, ça fait, nous pas suivre la famille ou pas l'hôpital? Et c'est des petits monde qui ne pas suivre l'hôpital. Ok. C'est des petits monde tout gain l'autre facteur qui est associé. Il y a des monde où mettez qui responsable petit monde pour évidemment par exemple là dans la radio ou dans la télévision ou gain petit monde qui gon monde qui avec peut-être monde ça ou pas constater lui qui doit faire des autres faire l'autre bagarre encore. Donc c'est ça fait nous demander par informer actif sur petit monde tout ça. Okay. Et gain des petit monde qui commence dans relation sexuelle bonnet 10 ans 9 ans même. Bon, question éducation sexuelle, timoun pas fait. Question éducation sexuelle, timoun pas fait. Yo pas parler timoun de ça. Yo pas parler de risques et bénéfices qui dans ça. Donc, il est toujours ton tabou pour papa ou bien maman parler de ça. Donc, ça me devlez ou qui a là, mais moi aujourd'hui à là comme ministère de santé publique. C'est parce que gen moitié dans 7200 timoun ça yo qui pas sous traitement. Malheureusement. On va arriver toucher. Nous pas arriver toucher eux, nous connaît là, c'est parce que peut-être maman gen doit mourir. Peut-être son l'autre nous protéger avec son grand. Son tantine, son l'autre. Ou bien moun yo vinn prendre médicament pour contre, pas vinn pour petit moun, non, pas vinn à petit moun pour yo wè yo. Et gen moitié là-dedans yo qui en soin. Et dans moitié ça gen autour de 40% là-dedans yo qui gon charge viral supprimé. Okay. Mais c'est génial, tout le monde ça. Oui, indétectable. Okay, okay. Ça veut dire que tout le monde ça grandit normalement. Mm-hmm. Mais c'est tout le monde ça, c'est génial pour rencontrer avec petite Pam, petite Paul qui est l'école. Qui va aller aimer, qui va le marier, tout et tout. Donc on est là, nous devons encourager mounyo pour mounyo mener tout le monde prend soin. Comment tu fais par rapport avec ta part de région pour dire nous voter la bannière? Non, ça nous voter grand prix. Mais vous l'autre pays par exemple, pays africain. Pays africain. Nous autres bon on quatre figures là, Kenya par exemple qui était fait une présentation pour nous. Hier nous on regardé petit monde qui ont moins que 14 ans autour de 44 000. Bon, on connaît avec pratique polygamie qui est adopté. Et ça veut dire dans cinq classes il y a 10 femmes. Il y a possibilité pour le fond pour toutes 10 là infectées. Et puis, Timoun a fait infecter tout ça. Donc, ça explique que. Mais après, Afrique subsaharienne, région Caraïbes, c'est l'hypothé. C'est Caraïbes qui peut être. L'hypothé drapeau. Après Afrique. Oui, alors en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Mais on va regarder Cuba aujourd'hui. Là. Bon, un chiffre qui va présenter, qui est tellement alarmant, c'est génial. 89%. Dans le monde qui est infecté la Caraïbe, c'est des homosexuels. Cuba. Tout pays qui était présenté dans l'atelier, ça nous a fait brasser l'idée. Pendant deux jours, ça yo? Pendant deux jours, ça yo, ouais, homosexualité a porté la bannière. Tout pays honnête. Dans tout pays, yo. Pas gain yon, c'est la éthique pipiti qui est autour de 13%. L'autre, c'est 26, c'est 49%. Tout net. Cuba, c'est 89% dans le monde qui est infecté. Sauf que de manière générale, Haïti devant tout pays ça. Il devant tout pays ça. Donc, on a qui ça a fait dans le niveau programme pour que peut-être l'année prochaine, on a diminué. Non, nous avons un premier, nous avons premier aspect, c'est 95. C'est 95% du monde qui estime qui a VIH dans le sang, qui a constaté. 95% du monde ça a eu. Et ils sous traitement et ils ont été sous traitement et 95% dans monde ça yo yo gon charge viral indétectable. C'est l'objectif du programme d'ici 2020 et pour nous arriver contrôler l'épidémie d'ici 2030, ça veut dire pour nous une prévalence qui est inférieure à 1%. On monde nous remarquer que les monde qui commencent pour ARV et puis camper tout le temps. Qui ça qu'on explique ça? Pas fatigué non. Peut-être les pas joindre non ou regarder mon bien en forme. Et mon n'a peut-être pensé son politique. Il dit pas malade encore. Tellement côté où elle sortit hein, à côté le venir. Hein. Donc il dit pas malade encore. Et nous dit mon même leur gauche virale indétectable qui dans réservoir que on organisation par exemple cellule dans système nerveux. Il gain virus là, c'est vrai que on doit pas circuler dans ça mais dans réservoir ça. Donc une fois qu'on campe sur le médicament, elle a retourné et c'est qu'il a sorti encore à ce qu'il est dans ça. Garçon et fille, par rapport à ce qu'est-ce que je veux dire qui puisse exposer au bien qui a et ici dans Haïti,
gagner plus filles. Et gagner plus le monde côté nous faire des présentations, je dis c'est parce que bon en fait, bah qu'on insiste sur la réalité là, je dis c'est plus filles à l'hôpital. Ah monsieur. Et ça, je dis monsieur va à l'hôpital. Donc n'a pas encouragé Mounio, partager statut. Partager statut avec Maro. Bon me dire c'est génial, on va griver. M'a pourre un malade. Alors m'a bon couple. Couple là, les venir un jeune couple. Tout est positif. Alors m'a oui, tout est positif, il y a un VIH. Moi ouais monsieur avant, m'a parlé avec elle, il dit mes amis, ça me bral, dit mon petit Mounio, c'est sauf belle ti moun la kayli et moi griver infecté. Et puis, l'aimer le recevoir, fille. La fille a dit, mes amis, monsieur, ça a joué moi un petit, il prend soin, c'est moi qui infecte lui. Vous comprenez? Ni un ni l'autre, pas qu'on est sous la côté de sorti. C'est ça que fait encourager les jeunes, tout le monde, qui a des comportements responsables. Elle dit, ni un ni l'autre, pas qu'on est côté de sorti. Ça a accusé tête lui. Et heureusement, c'est auto-accusation faite. Parce que là, peut-être, il y a un comportement sexuel responsable. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et c'est une question, ça me message à lui, il dit. Oui. On n'est plus responsable dans le genre mener activité sexuelle. Surtout mon une vie sexuelle active. Oui. Et puis, il y a une chose qui est fondamentale. Elle cherche un statut. Et puis, il y a l'autre message que je voulais lancer là. On est allé pour finir. Et c'est le monde qui est violé. Ou bien il y a un monde qui a une relation sexuelle avec un travailleuse de sexe. Qui est préservatif, qui a la possibilité de répéter son mal, son mal métal. Donc, moun sa, c'est à l'institution des soins plus rapides. Si vous violez, c'est vrai que vous avez posé du judiciaire pour le faire. Mais allez dans le centre de prison chaque jour, dans le centre de santé rapide avant. Pas quitter 3 jours passés. Laissez-vous faire un bon ARV. Sous ta maladie. Pour si moun qui viole ou là, ta maladie, pour pas gagner d'abord. Alors, t'as infecté, pour pas gagner infecté tout. Ah ben docteur samedi et par contre on va vous ajouter en quelle manière c'est fini. Et bon, sinon que remercier vous et dans l'émission ça nous inviter aujourd'hui c'est pas pour dernière fois que nous inviter. Donc toujours penser à parler mon à sensibiliser mon dans genre d'émission ça sur maladie. Faites sous positif, restez sous traitement. Et puis, tout le bagage a bien marché. Nous avons besoin pour les gens qui sont positifs avec un charge viral indétectable. Et nous disons avec un charge viral indétectable, on a moins de risques pour transmettre la maladie. Si vous violez, pas courir à la police, venez dans le centre de soins avant, parce que la vie d'abord, il y a bon un prophylaxie post-exposition. Et puis, si vous êtes infecté, vous ne pouvez pas arriver à infecter. Et ou même qui peut être infecté, vous adopter un comportement responsable. Et puis, soit dit là, il y en a toutes sortes de santé, toutes structures de dans santé. Dans toutes 170 structures de soins que nous avons dans le pays. Là, si vous parcourez là, dans le niveau d'Elma 33, là, vous avez une structure de soins qui peut prendre en charge. Par exemple, l'hôpital La Paix, l'hôpital général, bon, bien qu'il s'en bas. Vous montez, puis vous là, dans 75, vous avez ou montez, il y a Zagem, vous avez besoin. Vous faites communauté haïtienne, vous avez besoin. Vous avez besoin. Tout et tout, vous avez besoin. Voilà, docteur Alain Samedi, m'a rappelé aussi spécialiste en santé publique et vous avez un programme national de lutte contre SIDA dans le ministère de la Santé publique à la population. Merci à vous parce que vous êtes disponible. C'est moi beaucoup, merci, monsieur Gino. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Alain Samedi, spécialiste en santé publique, puisque nous sommes le 1er décembre, je viens de dire la lutte contre SIDA. Il était bon pour nous retourner sous nécessité pour que nous, chaque point de responsabilité, nous, pour nous, puis responsables, pour nous ne pas stigmatiser tout. Hein. Le monde qui a vivre avec virus, tant de tout ça, le médecin dit. Et nous souhaitons que vous tombiez dans vos oreilles et nous prenons l'assurance que nous faisons tout ça dans les lives. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée et surtout bon week-end avec Télévision Nationale d'Haïti. À bientôt. Merci.